Chers compatriotes, citoyens, charmantes citoyennes, cette semaine, dans cette discussion de café, je voudrais parler de ce grand événement qui est la nomination de Kennedy au poste de ministre de la Santé de Trump. C'est génial. C'est génial, enfin, en tout cas, ça a l'air. Le truc un peu bizarre, c'est que, bon, bah, les deux n'allaient pas trop dans le même sens, au départ. Kennedy, le mec, il a un discours, voilà, qui est plutôt anti, tu vois, et pro-liberté. Tu vois ce que je veux dire ? Il est vraiment pro-liberté, le gars, quoi, tu vois. Et on sait le combat qu'il a mené pendant cette dictature. De 2020, 2021, 2022. Et quelque part, c'est peut-être une revanche de Trump. Voilà, puisqu'on lui a arraché les dernières élections. Juste avant les dernières élections, Trump quand même a fait le jeu de ces salopards de mondialistes en sortant très vite. Vous savez quoi ? Et pendant que les autres, les démocrates, faisaient semblant d'être un petit peu contre le caractère speed avec lequel sont sortis les trucs, tu vois. Alors que c'est Trump qui, au départ, a accéléré ça. Et il s'en vantait. Ouais, je suis le mec, c'est grâce à moi que c'est sorti, quoi. Le mec, il s'en vantait, quoi, l'enfoiré. Voilà. Et puis, bon, ben, comme revanche, maintenant, donc, il met Kennedy ben, à sa place. Moi, j'aurais fait la même chose hein, que lui. C'est un très bon choix. Très, très bon choix. Donc, félicitations à Trump, félicitations à Kennedy. C'est très bien. Ces médias français, franchouillards, là. Hein, France 24 et les autres. Ah là. Ils ont craché à la face de Kennedy tout ce qu'ils pouvaient. Bah ouais. Je sais pas comment. Mais de toute façon, un jour il viendra, le pouvoir sera au peuple. Parce que quand tu vois les commentaires, tu vas sur leurs vidéos où ils parlent de cet événement de Kennedy, ministre de la Santé, et tu regardes les commentaires, tu vois que le peuple français a compris. Le peuple français, il résiste. Le problème, c'est que voilà, on est là, on est nombreux, on n'a pas les moyens. Tu vois, on n'a pas la voix, on n'a pas les moyens. On nous oppresse, on nous écrase bien, quoi, tu vois. Avec Macron, voilà. Mais pourtant, voilà, ces mêmes gens, bah apparemment, ils ont voté pour Macron. Ceci dit, ça se trouve qu'il y a eu une tricherie aux dernières élections. À mon avis, il y a sûrement eu une tricherie d'ailleurs. Comme aux États-Unis avec Trump. Il y a sûrement eu une tricherie. Mais bon, voilà quoi. Qui suis-je, moi, dans ma position de président intérimaire sur Internet ? Votre voix descend voix ici, voilà, dont la voix est aussi assez supprimée par les réseaux. Voilà, parce que on ne répond plus, comme avant, la voix de Rasta Président, qui est une voix résistante. Et oui, depuis cette pandémie, c'est difficile de se faire entendre un petit peu. Mais bon, on continue, le combat continue. Alors apparemment, selon ces médias français, Kennedy serait un complotiste, un anti-V et un antisémite. Ouais. Un antisémite, ils ont osé dire ça. Ils ont osé dire que Kennedy, c'est un antisémite. Oh, Trump avec un antisémite. Alors qu'il n'y a pas plus pro-Israël que Trump. Le paradoxe, quoi, tu vois. Genre, Trump, il n'y a pas plus pro-Israël que lui, mais apparemment, il va mettre un antisémite à la Maison-Blanche. Ouais, non. Ouais. Ah ouais, vous allez loin, vous. Hein. Ah, les merdias français, vous allez super loin. Super loin. Ouais. Enfin, on sent que ça flippe, quoi. De leur côté, ça flippe. Et j'aime bien, moi, quand ça flippe. Quand tu les vois cracher leur venin, c'est que ça flippe. C'est tout. Ouais. Alors, un petit mot maintenant sur les soldats ukrainiens entraînés en France. J'ai vu ça dans les news cette semaine. Waouh ! Les militaires français entraînent des soldats ukrainiens. 2000, je crois. Ils sont 2000. C'est une déclaration de guerre. Donc là, c'est sûr, la France va être bombardée par la Russie. Préparez-vous. C'est sûr. C'est une déclaration de guerre. On est en guerre contre la Russie, là. Il n'y a pas que Israël et Iran qui ont des problèmes. Il y a la France et la Russie. Vous voyez ? Et bon, jamais vous oserez élire l'homme de la paix, Rasta Président, qui n'est pas vendu aux francs-maçons et aux Illuminati. D'ailleurs, un petit coucou, un soutien, voilà, au frère qui est le patron d'Agonie et du Moya, et voilà, un frère
qui est en lutte en ce moment à Mayotte contre une mafia franc-maçonne qui opprime le peuple, qui opprime les entrepreneurs locaux, avec le soutien des élus, des syndicaux. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade ce qui se passe. Ouais, ouais. Soutien, frère. Ah ouais, une espèce de mafia locale, voilà quoi. Grosse mafia de merde là, tu vois. Il y a une grosse mafia, c'est une mafia à Mayotte là. Laisse tomber. Ils me disent, ah, il faut pas parler comme ça, tu es à Mayotte, il faut pas parler comme ça. Ouais. Là, sur la chaîne, tu vois écrit quoi? Rasta, président. Sur mes vidéos, tu vois écrit quoi? Rasta, président. Hé! Rasta, président. Tu veux m'empêcher de parler? Non mais t'es fou ou quoi? Tu t'es cru où quoi? Faut dire, ah, il faut pas dire ci, faut pas dire ça. Tu vois que le truc va s'appeler Rasta président et que le mec il va pas parler de politique. Ça va s'appeler Rasta président, on va pas parler de problèmes de société. Ça va s'appeler Rasta président, on va pas parler de dictature sanitaire. Ça s'appelle Rasta président, on va pas parler du racisme à Mayotte. Non, non, on va parler de paix et d'amour et d'unité. Faites-vous des bisous. Et bisous. Et je suis gentil. Je suis gentil. Rasta président est gentil. Je vais écrire des chansons gentilles. Fleurs bleues. Fleurs roses. C'est écrit Rasta président, faut assumer. Si tu veux pas m'écouter, tu vas sur une autre chaîne, mec. Et effectivement, ça intéresse pas beaucoup de gens ce que je dis. Ce qui intéresse les gens, c'est les meufs qui bougent leur cul. Et j'ai rien contre ça, mais faut être équilibré dans la vie. Une femme qui bouge son cul de temps en temps, c'est bien. Mais tout le temps, non. Culture zéro, mec. Ce qui intéresse les gens, c'est ça. Le sexe, la bouffe. Le quand dira-t-on? Avoir une bonne image de soi, de sa famille, des autres. Comment on nous voit? Vous êtes dans la vanité, les gens. Votre vie sert plus à rien si vous êtes comme ça. Ça sert plus à rien, tu vois. Bordel. Donc voilà. Un petit rappel, vous êtes chez Rasta président. Donc ici, on parle de politique et de sujets à controverse. Je suis un personnage controversé. Oui, controversé. Si je m'appelle Rasta président et que c'est pas des sujets à controverse, ça sert à rien, quoi. Je veux dire, pourquoi j'ai fait cette chaîne? Pourquoi j'ai fait ce nom-là, à la limite, quoi? Pourquoi? Hein? Rasta président, c'est la controverse. Il doit déranger même les Rastas. Regarde, il y a un tas d'espèces de Rasta babacool qui disent « Allez, pourquoi t'as du bleu, blanc, rouge ?» Et toi, imbécile, pourquoi t'es là, tu touches le RSA, là? Pourquoi tu... Hein? Touche le RSA, ça fait 10 ans, là, et tu vas dire « Pourquoi t'es un bleu, blanc, rouge ?» Ça veut dire que t'es un facho. Ça, c'est les couleurs de la France, mec. C'est pas les couleurs... C'est pas le drapeau nazi. C'est pas la Chine. C'est la France. Bah, au moins, j'ai un petit peu de liberté d'expression en France. Et j'en profite pour lutter pour l'humanité. D'ailleurs, je vais pas avoir seulement le drapeau français. Des fois, j'ai le drapeau vert, jaune, rouge. Des fois, je vais avoir plusieurs drapeaux, d'ailleurs, à l'avenir. Je vais en avoir plusieurs. Il faudrait même que j'invente un drapeau du monde pour le porter. Alors, ça, voilà, la controverse, elle sera mondiale. De toute façon, moi, je suis un gars à controverse mondiale. J'ouvre des sujets, vous avez déjà remarqué, quoi, tu vois. Je peux même pas tout poster sur YouTube, tellement la censure est là. Voilà. Donc tout ça, aujourd'hui on a parlé de tout ça parce que voilà, Kennedy, ça m'a fait plaisir que le gars était à sa place. Et il faut des gouvernements qui mettent les gens à leur place. Personne n'est à sa place dans ce gouvernement français, ni le président, ni les autres. Donc déjà quand le président, voilà quoi, il n'a rien à faire là, t'étonne pas que ben, en dessous de lui et autour de lui, ben, y a que des gens qui ne sont pas à leur place. Des gens qui ne travaillent pas pour le peuple. Les gens qui travaillent pour le peuple, pour le droit des citoyens, pour la justice, eux, ils sont à leur place. Les gens qui travaillent pour l'oppression mondiale ne sont pas à leur place. Voilà. Allez, c'était Rasta président pour la chaîne Rasta President. La chaîne controversée. À bientôt.